Allez, salut à tous, c'est Tado et on est là pour l'épisode 18 de Tados Dreams. Alors, Tados Dreams, une série francophone sur FTB, le pack bêta pour ceux qui se le demandent. C'est une des premières séries qui est sortie en fait et c'est ma série à moi. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire quelques petites nouveautés. Alors, je vais d'abord vous rappeler, vous expliquer ce que j'ai fait hors caméra. Donc comme vous le saviez, je cherchais un monde avec des cristaux et j'ai fini par le trouver. C'est comme ça que vous allez pouvoir voir dans mon inventaire. J'ai vraiment farmé le cristal. Hein. Là, il fallait. J'en étais à, je vais le faire en français, donc 170, 170 pour les Belges. Parce que oui, je suis belge. Enfin, vous le savez. 170 livres descriptifs, donc vous voyez là, il y en a plein. Ce qui fait que j'ai un notebook presque plein de chez plein. C'est assez impressionnant, c'est très chouette à voir. Et que donc, quand on va dans les terrains futurs, on a les cristaux et tout va bien. Et là, je suis content. Ce qui veut dire qu'on va enfin pouvoir faire des choses plus intéressantes. Ils sont où? Ils sont plus là. Mais c'est que j'ai tous bouffé. On va pouvoir faire des choses plus intéressantes. Donc, on va venir ici. Ah oui, un autre truc que je voulais faire avant, c'était vous montrer une des possibilités que qu'il y a pour ce qu'on a fait là au dernier épisode. Donc, vous voyez ici, par exemple, mon charbon n'a pas encore fini de bosser, mais ici c'est plein. Alors, ce qu'on fait, c'est ça. Et tout se met en biomasse canne, ce qui permet, voilà, de remplir celui-ci. Alors celui-ci, on va lui mettre un levier aussi. Et avec ça, on a vraiment de la marge. On va être assez peinard. Par contre, on n'a plus d'eau. Et ça, il va vraiment falloir bosser dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une toute petite ellipse pour pouvoir faire la pompe et tout ça, vérifier 2-3 paramètres. Parce qu'on va, on va le faire automatique, ça sera plus simple. On va placer une pompe ici, par exemple. Et on pourra bosser à ce point dessus. Donc, à tout de suite. Et nous revoilà avec le matériel adéquat. Donc, j'ai la pompe, j'ai les engines et j'ai déjà placé les waterproof. Alors, on va placer la pompe comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Après, on essaye de trouver ceci. C'est très bien. Stock. Oups. Hop là. Et là maintenant, elle va automatiquement être alimentée en eau si tout va bien. Ce qui serait quand même plus beau pour tout ça. Alors, stock, 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 stock. On vérifie ici qu'il y a tout ce qu'il faut. Je vais vérifier qu'il y a bien du charbon partout. Ici, il y a encore du charbon. Ici, il y a encore du charbon. Ici, il y a encore du charbon. C'est très bien. Je poque. Et maintenant, on place du charbon là. Enfin, du charbon. Qu'est-ce que je dis? Du pouce là. Et nous y voilà. Alors, deuxième étape de la journée. On va placer ça ici. Donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est que, comme vous le savez, on a besoin d'avoir des gaz, des blazes en quantité. Alors, pour ça, j'ai suivi un. Oula! Oula! Ouais, ça va mieux. Pour ça, j'ai suivi un des tutos. Donc, la corée qui marche toujours ici. Enfin, pas un des tutos. Une des séries de Feed the Beast FR qui présentait un moyen rapide d'avoir des blazes et efficace pour les blazes. Deux choses. La première chose, c'est qu'il faut avoir, comme je vous le fais là, un petit endroit pour mettre les blazes. Hop, hop. Voilà.
Donc les Blaze vont arriver ici. Si, si, croyez-moi, c'est vrai. La deuxième chose, c'est qu'il faut également avoir un endroit pour qu'ils spawnent. Et là, c'est ici que ça se corse. Parce qu'il va falloir creuser l'endroit, tout ça, tout ça. Et comme je vous aime bien. Ouais, mais on va peut-être pas direct. Bon, je sais pas, peut-être que oui, on va le faire un peu ensemble. Comme ça, vous allez voir. On va commencer un peu au moins ensemble. Donc, moi, ce que je fais toujours, c'est que je sais que j'ai besoin de poser un portail. Donc, oui, on va utiliser aussi un portail Mistcraft. Et je sais qu'il faut après qu'il y ait trois cases. Donc, ici, je vais poser le portail. Donc, ça veut dire qu'il y a trois cases. Ensuite, ici, là où j'ai posé mon bloc de bois, il va avoir mon spawner à Blaze. Et vous allez voir comment je vais le ramener. Donc 1, 2, 3. Et puis ici, ben, il faut aussi 3 cases. C'est du 3 par 3 par 3. Enfin, 3 de côté. C'est Skaflo qui m'a dit qu'il fallait faire ça comme ça. Et moi, je fais. Là-dessus, je fais ce qu'on me dit. Hein. Je suis pas très. Très, très, très intelligent, on va dire. J'ai pas pris le temps en fait de vérifier tout ça, et donc voilà. Ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais décaler ça ici. J'aurai juste à creuser dans le mur pour poser le portail, ce sera peut-être même plus simple. Donc ici, 1, 2, et voilà le troisième. Hops. Et vous allez voir, c'est super efficace. C'est vraiment très très pratique. Hop, on continue. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de choses de prévues durant le mois de janvier et de février. Et donc, je risque de faire beaucoup moins d'épisodes. Je peux vous assurer que les familles d'extrême vont passer à un épisode par semaine. Parce que ben, ça sera pas possible de tourner plus pour le moment. Malheureusement. Et Tados Dream, un épisode. Je peux être à 3K, allez, à 90. Allez, ouais. À 75%, donc 75% sûr qu'il y aura un épisode par semaine. Mais je peux pas vous assurer qu'il y en aura deux. Voilà. On va dire ça comme ça. Parce que, ben, surtout qu'en plus maintenant, il va falloir que je prépare le terrain pour faire des trucs intéressants, tout ça, et que tout n'est pas compatible. Je reviens dans un instant. Et nous revoilà. Désolé pour cette ellipse un peu brutale, mais c'est le désavantage de tourner un samedi, c'est que ben, on peut être dérangé par sa famille, mais maintenant, je vais plus avoir fortement le choix. Donc, j'ai fini la salle, j'en ai profité. Tant qu'à faire une ellipse, autant bien la faire. On va créer un énorme portail. Mais vraiment grand, hein. C'est le principe. Il faut qu'il soit bien grand. Voilà. Maintenant, on va sortir de cette salle. Non. Oui, vas-y. Tu peux le faire. Je vais creuser ici pour arriver à aller dans le coin. C'est plus agréable pour moi. Je trouve. Et au moins là-bas. Je sais que je suis tranquille. Vous voyez, ici, on sait qu'on est tranquille. On est peinard. Et je vais aller un peu vider mon stuff. Parce que là, c'est le bordel total. Vous allez me dire, comme d'hab, de toute façon, on est juste habitué. Mais bon, ce n'est pas une raison. Oups. Toujours utiliser la touche R pour des trucs comme ça. C'est pratique. Ça permet de ranger automatiquement votre stuff. Alors, je sais que j'avais des bouquins sur moi, donc c'est très bien. Hop, je me place ici. C'est là que vous les spawn, que les blazes vont arriver, je l'espère. Je le mets ici. Hop. Ensuite, vous savez qu'on va tenter le tout pour le tout cette fois-ci. J'aimerais bien voir si ça a marché. Je ne l'ai jamais fait de cette façon-ci, hein, donc. Hop, ce bouquin-ci, on le met là. Hop, très bien.
Je sais pas si j'ai un bouquin, c'est pas grave. Alors, ici, celui-ci, c'est le bouquin Blaze, on va le mettre comme ça. On bourrine Blaze. Et il faut qu'il soit toujours en intraligne, en following, c'est plus simple. Et ça, intraligne following, et on va mettre Spawner. Donc si je prends bien le spawner, j'arrive ici, très bien. Hop, on va quand même boucher ici par précaution pour le moment. Si je prends le bouquin Blaze, non, c'était le bouquin Quarry. Je me disais bien. Si je prends le bouquin Blaze, j'arrive ici, c'est très bien. On le referme également. Des petites précautions d'usage, mais qui ne sont pas négligeable. Ah, mais voilà ce que j'ai oublié. J'ai oublié un tout petit truc. On va vite aller le faire. C'est parti. Table de craft. Alors, les cristaux. Oui, les cristaux. Si vous les mettez comme ça, vous avez un réceptacle. Un bouc réceptacle. Et ce bouc réceptacle, on va en faire deux parce que je vais en avoir besoin d'un autre après. Ce bouc réceptacle va me permettre de diriger le portail en fait. Hop. Pops. Je choisis c'est le bouquin Blaze. C'est donc bien celui-ci. Oh, si vous avez un doute ce que vous pouvez faire, vous allez ici. Hop. Et vous pouvez le vérifier. C'est super simple à vérifier, c'est bien pratique. Et ça peut, dans certains cas, rassurer tout simplement. Parce que, effectivement, il y a moyen de se faire cramer la map. Alors attention que ce genre de mouvement est toujours dangereux. Donc je m'explique. Si vous avez suivi le live de transport pour le réveillon de Nouvel An, vous avez dû constater qu'à la fin, sa map a pas été cramée. En fait, il a voulu faire la même chose, sauf que dans son monde, il n'avait pas un Eternal D. Alors moi j'ai un Eternal D, là c'est vrai que maintenant je vais le faire en direct, donc je vais le balancer en direct, mais si vous balancez le spawner dans un monde Eternal D, il n'y a pas grand risque. Étant donné que en gros le spawner est un peu inoffensif. Et les mobs ne spawnent pas dans un Eternal D. Alors, tout va bien. On va prendre le Portal Gun. Parce qu'au final, c'est ça qu'il nous faut. Et on va y aller. Ah, mais. Voilà. On va peut-être attendre 2 minutes que ça spawn, parce que sinon, c'est pas du jeu. Est-ce que vous pensez qu'ils ont compris que j'étais là? Est-ce que jouer en pissoule, c'est un peu de la triche. Hein. Voilà. Alors. Donc vous voyez les blocs, je peux les manger. Mais on va faire exactement la même chose. On prend le... Non, pas le bloc. Le mob spawner. Hop, et on le tape. Pour... Non, allez, il passe. Très bien. Ah non. On referme ça ici. On reprend le bouquin. Et on s'en va. Et on s'en va rapidement, hein, ça vous avez compris. Hop. À l'arrache, à la one again. Et alors, c'est ici que tout va se passer. Il faut aller vérifier que le mob spawner est bien placé. Il est bien placé. Et aller buter ça. Et logiquement, là maintenant, ça doit spawner. Et bien ça spawn. Et voilà. Alors, moi par précaution, je referme toujours
éviter qu'il y ait la possibilité qu'il y ait un blaze qui spawn ici. J'en sais rien, je ne connais pas les spawns de blaze, donc je referme. Et oui, je suis comme ça, moi je referme. Je ne suis pas essentiel. Alors, maintenant que nous avons ce qui en fait nous intéressait, on va utiliser une autre tactique. Et je vais vous laisser un instant et puis je reviens juste le temps de préparer le matériel qui va nous valoir. A tout de suite. Et nous revoilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est un turtle en fait. Hops, et je me trompe toujours. Voilà, ensuite, comme je l'ai pris, look. Un chest, le computer, de l'iron, et on a un turtle. Alors c'est bien d'avoir un turtle, mais il faut avoir un turtle combattant. Pour avoir un turtle combattant, qu'est-ce qu'on prend? Ben voilà. Le truc est assez simple. Ensuite, on pose le turtle. Et là, bah on recommence toujours de la même façon. Alors, ce qu'on fait, c'est toujours une boucle. While. Trou. Do. Et on utilise la fonction turtle.attack. On met des parenthèses. On met end. On save. On exit. Et voilà. Alors. Le turtle ne récolte pas l'XP, mais la crée. L'XP, mais la crée. Donc, c'est comme si c'était un humain. Ce qui vous permet à vous de passer de temps en temps et de récupérer l'XP qui a été créé. Qui est très chouette. Alors, en plus, apparemment, je l'ai placé assez bien pour que ça spawn. Et par contre, il récupère les Blaze Rods. Donc, c'est vraiment nickel. Les Blaze Rods, c'est ce qui me manquait pour le moment. Donc ça c'est super. Alors la biomasse, mais vous voyez, ça se crée en grosse quantité. Je pensais pas que ça se crée avec autant de rapidité. Moi. Spox. Je suis un peu impressionné. D'habitude j'utilise d'autres façons de fonctionner. Hops, nous y voilà. Et donc ben, il va presque falloir se créer des biomasse engine. Pour aller actionner le bordel là-bas. C'est pas une mauvaise idée ça en fait. Elle n'est pas une mauvaise idée. Bon alors, on regarde un peu ici. Faire ma blaze, c'est fait. Trouver des cristaux, c'est fait. Créer le nexus, c'est pas encore fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accélérer la query. Que c'est pas possible et il faut gérer les sorties. Voilà. Alors je pourrais le faire autrement bien sûr, hein. Le tableau d'affichage là-bas, je pense que je le ferai bientôt autrement, mais bon voilà, pour le moment c'est déjà une bonne chose. Il faut aussi améliorer la biomasse, hein. C'est pas possible, ça on va pas, je vais pas pouvoir continuer comme ça. Alors, le problème, c'est que je sais pas trop à combien de minutes d'épisode on est. Ça va être assez problématique, ça. Hop, on va faire ça. Ici, on fait ça, mais on est vraiment exactement à la même quantité de trucs créés. C'est assez fou. Hops, hop. À venir, vous devez avoir un épisode d'une vingtaine de minutes, là. Hop. On va continuer quand même un tout petit peu. Avec le charcoal là. Allez, ranger les cristaux là-bas. Il faut que je bouffe. Il faut que je bouffe. Oups. Voilà. Ah oui, je voulais essayer de faire ça. Donc, les cristaux, on va les mettre ici. C'est pas pratique ça. Je voulais essayer d'aller faire ça. On va voir si. Ouais, overload. Nickel. Alors, donc, comme vous le savez, on a un solar panel ici. Alors, le solar panel, si on regarde, on va avoir besoin de Advanced Alloy.
Est-ce que je les ai ceux-là? Je sais que j'ai des carbon plates. J'ai des advanced alloys. J'ai du redefine. Uranium. J'ai de la glowstone. J'ai pas beaucoup de verre, ça c'est chiant. Ah non, il y en a ici, tout va bien. Donc, si ma mémoire est bonne pour faire ceci, hop, j'ai besoin de reinforced glass. Donc, les reinforced glass, c'est un craft qui ressemble à celui-ci, même celui-ci, ça c'est cool. On va rajouter ceci. Non. Pas de bêtises, pas de précipitation, Tado. Donc oui, j'en ai besoin de deux. Deux. Stock. Ok, je dois faire ça. Et nous voilà avec 6. C'est très bien ça. Alors, ici, j'ai besoin de ceci. Oups. On va se vider un peu comme ça. C'est un peu la honte quand même, mais... un mec qui se veut plus ou moins organiser. Mais bon, c'est pas grave. Vous êtes habitués, je pense que... si j'ai le temps, ce serait cool que j'arrive à... au moins avancer de temps en temps ce soir sur un peu de rangement ici. Pour que ça ressemble à quelque chose avant de... continuer la série 1, 2... Et j'avoue que je préfère tourner. Faire du rangement, c'est un peu ma bête noire pour le moment, le rangement. Alors, hop. Oups. On va lancer là-dessus. Très bien. Alors là, moi, je sais plus. J'ai un petit trou de mémoire. Bête de mémoire, mais... donc, on va... ah si, voilà. Ok. Alors, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Alors, bien sûr, comme vous avez dû le remarquer, j'ai fait ça comme un boulet. C'est deux, je vais en faire. Et hop. On est ici. On met ça. On met ça. Et il va nous manquer, bien sûr, un truc. Hein. Il faut pas changer une équipe qui se perd. Alors, du tin. Du fer raffiné. J'en ai pas ici. Du bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On accède à la nivelle. On met du charcoal. C'est bon, ça a marché. On balance ça au compresseur. Avec un peu de chance, le compresseur va en dessous. Non, il n'y a pas de... de booster, si je fasse ça. Mais j'ai beaucoup de boulot moi, sur cette map. Hein. Vous l'avez vu, il y a du boulot sur cette map. Vous le savez, de toute façon, je pense que il faut que je travaille dessus. Parce que c'est bien de tourner une série, mais c'est quand même mieux quand ça tourne et quand il y a quelque chose qui se fait dessus. Parce que pour le moment, je passe mon temps sur le serveur. Vous allez me dire, tu aurais dû faire ta série sur le serveur. Oui, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Mais bon. Alors, nous voilà donc avec un Advanced Solar Panel. L'Advanced Solar Panel qui est comme ça. Il est bien, il est beau, il est tout mignon. Hop. On peut le cacher à la pioche en plus. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec ça. C'est ça qui est très pratique. Et, ben, c'est déjà une bonne chose. On va aller le taper sur le query. Mais pour ça, il va nous falloir... ce que j'ai dû faire sur moi. Oups. Donc, j'ai pas de ceci non plus. Allez hop, je les ai eu. Non, je les ai pas eu.
colonne non plus. Donc, je tac, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. On met 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En fait, vous allez avoir un gros épisode de ce que je vois. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lutine, stock, c'est pas très grave d'avoir un gros épisode. Au moins, j'aurai un peu moins. Je me sentirai un peu moins mal de ne pas vous fournir un épisode. Au cas où ne pas vous fournir un épisode ce jeudi, vous aurez au moins un gros épisode mardi. C'est ça qui est chouette. Alors, hops. On va prendre des stones parce que j'ai pas mieux pour le moment. Tant pis. Et on va à l'aquarie. Et on va essayer de trouver un moyen. Donc, si je place celui-ci ici. Bien sûr, c'est fait comme par rêver qu'il allait se placer au bon endroit. On peut placer ça là. Gus, il faut bouger. On va tenter de placer ça ici. Ça génère un tout petit peu de U, c'est bon signe. Et bien sûr, Tado n'a pas oublié ce qui était important, voyons. N'est-ce pas? Comment vous dire que je me fatigue moi-même? Comment réussir à vous expliquer ça? Oups. Ah oui, mais ça c'est pas con, tu vois. Ça me permet de tout gérer via ce levier là. C'est très bien. On va passer bien dehors de l'autre. À la base. Pour rechercher. Voir un peu ce qu'on a en stock. Ah si, on en avait. Ça je refuse que tu... Ah ben je l'avais sûrement bien sûr. Vous ne l'avez pas dit. On passe dans la corrie. Voilà. Et maintenant on se dit merde. Je suis dans le caca. Bon, ben moi je vais vider patiemment la corrie ici. En faisant deux gros coffres à merde. Ici, et ben, nous on va se retrouver pour l'épisode je sais plus combien, 19, oui c'est bien fait la 18 là, c'est bien Tado. 19B, dès que je peux en fait, jeudi si je peux, ou plus tard si je ne peux pas. Et puis d'ici là j'espère que vous portez bien, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, n'hésitez pas à passer sur fitebis.fr. Il y a un gros site francophone sur FTB avec plein de conseils, plein d'astuces, pas mal de youtubeurs qui passent dessus et qui peuvent vous donner des tutos sympas ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à aller voir des tutos de trans en attendant mon retour. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait vraiment tourner tout ça et je suis très content du résultat et du retour que j'ai. J'espère que vous aussi. Merci de me suivre, merci d'être là et bonne année encore. À bientôt, salut, bye.